politique nationale de promotion du français dans le monde. C'est son droit, elle y accorde les moyens qu'elle souhaite y accorder. La France demeure le principal contributeur, suivi de très près maintenant par le Canada, de l'OIF. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et là, avec cette participation dont je vous parlais, de l'OIF à l'élaboration de ce plan, nous espérons pouvoir faire converger les intérêts nationaux et les intérêts multilatéraux pour le plus grand bénéfice de la langue française. La France a déjà annoncé que ce plan allait guider sa position nationale quant à la nouvelle programmation de l'OIF. Mais la France, comme je vous ai dit, est notre principal contributeur. Mais voilà, il faut composer avec les autres pays. C'est un pays parmi tous les autres, même si, voilà, c'est quand même un pays phare. C'est un pays parmi les autres pays de la francophonie.